campagne. On va voter. L'important d'un coup. C'est un vomita potini. Bonjour. Bonjour. Alors, ce qu'on voudrait, c'est peut-être travailler rapidement sur un protocole pour peut-être provisoire et qu'on cale un peu les choses en termes de ce que nous on fait et disons des engagements de l'autre côté, notamment nous par rapport à tout ce qui est manœuvre ordure. J'ai cru comprendre que ce qu'on avait déjà dit, hein, les sanitaires préféraient les toilettes sèches. En fait, les toilettes sèches, ça va marcher au début. Ouais. Mais si à terme, ils pouvaient être liés au tout à l'égout, ça serait quand même idéal. C'est ce qu'on garde alors. Ouais. Mais bon, dans un premier temps, toilettes sèches, c'est mieux. Tout à fait. On a essayé, ça marche pas. Par rapport à ce qu'il faut qu'on installe dans la semaine. Quoi. C'est-à-dire, si les toilettes sèches, bon, ça, ils vont, je pense, s'organiser, mais par exemple, une benne à ordures et voir comment ensuite. Un container et comment, à quel rythme on le ramasse. Quoi. Alors, il y a des passages 3 fois par semaine. Ouais. Ça peut coller. Simplement, il faudrait savoir combien de containers il faut. Et ça, bon. Réfléchissez. Il y a la question de l'eau, c'est demain, parce que se poser si rapidement. Les installer vite. D'accord. Ouvrir le point d'eau qui est là-bas. Il faudrait voir s'il est ouvrable. Non, le compteur est démonté. Le compteur est démonté. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. C'est la chance de manger. C'est pas encore. On peut faire autrement. Voilà. Tout à fait. Et c'est pas simplement en répondant par des paroles, mais en répondant par des actes. Voyons, disons, on peut travailler autrement. Mm-hmm. Donc on a fait un texte là, qui, avec un appel, y compris aux architectes, à toutes les ONG, etc. Tu l'as lu ? Je ne l'ai pas lu, mais un copain me l'a lu. Ah ouais, voilà, ouais. Donc elle l'a bien pris. Non, c'était un autre. Ah, de bon, façon d'accord. À ce qu'on fasse la démonstration, peut y avoir des mobilisations, à la fois militantes, bénévoles, etc. Une autre issue que la criminalisation. Ce qu'on dit, ce qui est intéressant, c'est que c'est fermé et ouvert. Enfin, parce que tu vois ce que je veux dire. Ben c'est ceux qui étaient au Hanoï. Voilà. Et qui ne sont pas tous là, mais qui seront là. Parce que là, ils seront là dans la semaine qui vient. Voilà. Parce que ça fait combien? Parce que vu l'espace, on pense à une centaine. Dans la semaine, on peut vous dire combien ils sont. Au-delà, ça va être très compliqué. Hein. Après, tout le monde, hein, il y avait une chose dont on a beaucoup discuté hier, c'est que urgence ou pas urgence, parmi les urgences, il y a aussi une présence un peu extérieure et le plus tôt on recommence des activités, des rencontres avec les enfants, avec les parents, avec les voisins. Alors je reviendrai aussi exprès, on vous proposerait d'avoir une réunion où on va inviter tout le monde, les syndicats, les AIDH, enfin, les associations, pour aussi compris mobiliser et vendredi midi. Ouais, je suis là. Monsieur, donc vous donnez des réponses fiables, enfin travailler avec la parcelle. Pierre, bonjour. Donc par la présence du député ce matin, a priori il y a un retournement de situation et un certain soutien évoqué. Oui, ce qui se passe, c'est que la mairie qui est propriétaire des terrains qu'on a occupés pour reconstruire le Hanoul a donné l'ordre à la police de ne pas intervenir, de nous laisser sur le terrain. Elle s'engage à construire avec nous un projet expérimental de nouveau quartier, de nouveau Hanoul, qui doit être exemplaire pour démontrer qu'il y a d'autres politiques à faire que celles... Que des camps d'insertion, par exemple. Que des camps d'insertion, d'une part, qu'on a beaucoup critiqué et qu'au départ, le député Brauzec soutenait et sur lequel il est revenu. Et puis que la politique de répression généralisée. Donc, il y a quand même certaines contradictions, là, au niveau politique. Il y a une contradiction du fait qu'au départ, aussi,
Patrick Brauzet, donc président de la peine commune, avait décidé et annoncé qu'il éradiquerait tous les bidonvilles. Donc nous, on les soupçonne à forte raison d'avoir participé à l'expulsion du Hanoul, mais on lui a fait comprendre, après de nombreuses réunions, et après qu'on ait reçu quand même, nous a envoyé la police devant la mairie de Saint-Denis, de s'engager avec nous sur cette affaire. Et on espère le soutien financier et logistique de la mairie de Saint-Denis et de la peine commune. Donc il y aurait un aménagement pour les entrées, pour la sécurité, pour l'eau, pour l'électricité ou pas? Bah là, on est en train de voir avec des techniciens de la mairie pour installer plus rapidement des sanitaires, de l'eau, l'électricité éventuellement. Et puis surtout, vraiment, de construire un vrai quartier alternatif, autogéré. C'est-à-dire que c'est un projet qui n'est pas simplement un camp pour des Roms. Des gens qui ne sont pas roumains vont habiter là pour travailler. Il y aura un cirque qui sera un centre culturel, un centre pédagogique ouvert sur le quartier où des gens viendront partout, des artistes en résidence, des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de créer un quartier autogéré qui fonctionnera sur la base de conseils où chaque famille aura des délégués. Voilà, on va essayer de construire ça et on espère avoir le soutien jusqu'au bout du Parti communiste ici et de Patrick Brauzec à la pleine commune en tant que député. Merci Pierre. Je t'en prie.